Sur ses réseaux sociaux, Amandine Pélissard a tendance à être d'humeur joyeuse et partager chaque minute de son quotidien. Depuis quelques jours, elle est absente. Samedi 13 mai 2023, elle a posté un message qui ne devrait pas rassurer ses fans. L'influenceuse semble aller mal depuis le décès de son père. Le quotidien n'est pas toujours tout rose, mais il est difficile de montrer l'envers du décor sur les réseaux sociaux. Dans sa vie, Amandine Pélissard a tout pour être heureuse. Maman de 8 enfants, elle partage sa vie avec son cher et tendre, Alexandre. La tribu avait même participé à Famille Nombreuse, La Vie en XXL, rencontrant un franc succès. Depuis, les deux parents ont fait le choix de changer de métier. Ils se sont reconvertis dans les contenus classés X, s'assurant de bons revenus. Mais ces derniers temps, l'activité est mise sur pause. En effet, Amandine et Alexandre vont accueillir leur 9e enfant. Enceinte, la future maman préfère se préserver pour sa petite fille. Cet enfant, le couple l'a tant espéré, alors après plusieurs fausses couches, le prénom de cette princesse s'était tout trouvé, elle s'appellera Désirée. Prendre soin de soi et son entourage. Si toutes ces bonnes nouvelles participent à son bonheur, le 18 mars 2023, le père d'Amandine Pélissard est décédé brutalement. Un départ difficile pour la maman qui l'a appris quelque temps après. Je l'apprends aujourd'hui le 3 mai 2023 d'une façon inattendue et inappropriée. J'ai en moi des regrets, des doutes, de la colère. Celui qui m'a fait tout ce mal, ce n'est pas toi mais ton plus jeune frère. Là, je suis mal au plus mal, je pense juste à toi et les regrets qui vont avec, a-t-elle expliqué sur Instagram. Sa belle-mère aurait tout fait pour qu'elle n'apprenne pas la nouvelle. 10 jours plus tard, il semblerait que le moral ne soit pas mieux. Après 2 jours d'absence sur le réseau social, ce qui est peu ordinaire, Amandine Pélissard a partagé de nombreux messages inquiétants. Coucou les amis, merci pour vos messages, absente depuis 2 jours, ne vous inquiétez pas, il y a des jours avec et des jours sans, peut-on lire. Elle ajoute que tout ne se voit pas de l'autre côté de l'écran et conseille à ses abonnés de prendre soin d'eux et de leur entourage. Dans une dernière story, elle a partagé les paroles d'Alabina en écrivant « Papa ». Visiblement, le deuil est très difficile à faire.